Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation de l'étui loose étanche waterproof pour iPhone 6, 6S, 5, 5S, 5C, etc. etc. Donc, alors, petite précision, pas compatible iPhone 6 Plus et iPhone 6S Plus. Pour cause, la taille, bon, ça, c'est pas des housses qui sont compatibles jusqu'à des tailles de 5,5 pouces. Alors, très beau produit. Personnellement, testé, ça a été testé sur. Avec. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous? On commence toujours par mettre un petit paquet de cigarettes ou quelques cigarettes à l'intérieur et puis on teste toujours l'étanchéité. On fait confiance, bien sûr, au constructeur qui jusque-là nous a toujours proposé des produits de très haute qualité et avec une très bonne fiabilité. Mais on fait quand même le test, on vérifie quand même, donc on en a testé quand même quelques-unes. On conseille au client, lorsqu'il le reçoit, de bien tester le produit, de bien vérifier qu'il est bien waterproof avant de mettre son téléphone dedans. Alors voilà le produit. On est sur une housse, emballage assez sommaire. On voit derrière la petite dragonne avec le tour de bras. Bon, emballage en plastique, vous le recevrez en lettres max ou en colissimo, suivant les modalités de livraison que vous avez choisies lors de votre commande. Alors, déballage de celui-ci, qu'est-ce qu'on a avec? Pim patapon. Donc, on disait quoi? On disait la dragonne. Et le tour de bras. Bon, assez, je pense que assez fonctionnel. Le tour de bras. Alors, bien entendu, ouais, c'est pas des housses. C'est pas une housse qui est prévue pour faire de la plongée sous-marine ou c'est pas des housses qui sont prévues à une pression sur des profondeurs à long de plus de 3 mètres. Alors, la petite bande scratch. Pour le tour de bras qui va venir ici pour se fixer autour de votre bras, ou alors la petite dragonne qui va venir s'accrocher ici. Ouverture assez simple, donc on enlève les petites aiguilles qui sont là, hop, voilà, ça c'est bien ouvert. On ouvre l'étui ou la housse waterproof. On enlève le petit carton qui est à l'intérieur. Et on y enfile son petit iPhone. Hop, donc moi en l'occurrence le mien qui est là. La taille, on est super bon. Comme vous pouvez le voir, l'épaisseur, elle est bonne aussi. Je remets les petites écoupilles là-haut bien à la verticale et je mets sous étanche en le serrant bien, bien entendu. Par précaution, je refais un petit peu sur le zip là pour l'étanchéité. Donc, comme je vous l'ai conseillé plus tôt, avant de tester l'étanchéité de votre appareil. Bien prévoir de mettre quelque chose, un papier ou quelque chose, et puis le mettre en immersion dans votre lavabo ou dans votre baignoire afin de vérifier l'étanchéité du produit et être certain qu'il n'y ait pas de défaut de fabrication ou quoi que ce soit. En l'occurrence, on en a testé près d'une vingtaine et aucun problème. Particularité, donc face avant, entièrement tactile. Hop, ouais, Clash of Kings. Alors, face avant, complètement tactile. Face arrière, entièrement transparente. On voit là que le flash et la caméra n'est pas recouvert. Donc, bien entendu, sur la plage ou dans l'eau, pendant une baignade, vous pouvez prendre vos photos sans problème. Qu'est-ce que ça donne en mode appareil photo? Donc moi je trouve qu'il répond super bien, hein. Donc à l'intérieur de l'étanche,
On a on a une tacticité assez bonne sans problème. Prise de photo, on voit bien que la face arrière ne provoque pas de flou sur la photo. C'est bien net, c'est bien propre, sans aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà en règle générale le produit. En note sur 10, nous on lui décerne un bon 8. Le produit, y a rien à en redire. En rapport qualité-prix, 7,90 €, on trouve que c'est un très très bon produit et très fonctionnel. Voilà, Walou. Eh ben, j'espère qu'on a été d'une utilité et que la vidéo de présentation vous plaira. Merci beaucoup. Bonne journée.